بسم الله، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وعلينا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. Nous allons parler, mes chers frères et sœurs, lorsqu'on se met en état de sacralisation, on entame notre voyage de faisant talbiya. À partir de cet instant-là, il y a des choses qu'on ne peut plus faire. Pour les hommes, ils ne peuvent plus se couvrir la tête, ni mettre des habits qui sont cousus. Pour les femmes, il est interdit de se couvrir le visage et de porter des gants. Nous sommes en état de sacralisation, il nous est interdit, hommes et femmes, de couper des arbres, de tuer des animaux, de faire de la chasse, d'avoir une union conjugale, de se disputer, de se chamailler, parce que l'état de sacralisation, c'est un état de présence en Allah subhanahu wa ta'ala, c'est un état où on entame, où nous allons entamer une grande adoration. Donc, durant le voyage, on va répéter Allah sablam ou la salbiya. Il faut que ce voyage marque notre engagement, marque notre présence en Allah subhanahu wa ta'ala. Il faut, durant ce voyage, on mentionne Dieu énormément. On lit le Coran, on remplit notre temps. Le voyage va être long, en quart, on remplit notre temps par des adorations, par des invocations. L'invocation des voyageurs est exaucée. On essaye au maximum de vous accompagner, de faire des rappels. Mais surtout, ne vous laissez pas distraire. Ne vous laissez pas, comment dirais-je, sombrer dans l'insouciance, dans l'oubli. Essayez de rester tant que possible connecté avec Allah subhanahu wa ta'ala. Vous savez, le dhikr, cette adoration est parmi les adorations les plus agréables à Allah subhanahu wa ta'ala. Parmi les adorations les plus agréables à Dieu, le fait de le mentionner. Dans le verset « Fadkuruni adkurkum »« Mentionnez-moi, je vous mentionnerai ». Imaginez mes chers frères et sœurs, dans le hadith authentique chez le Bukhari ou Muslim, selon Anas, le messager de Dieu dit, en attribuant ses paroles à Dieu, c'est un hadith Qudusi. Le hadith Qudusi, ce sont les paroles que le messager sallallahu alayhi wa sallam attribue à Dieu et qui ne font pas partie du Coran. Dieu dit, je suis selon l'opinion que se fait de moi mon adorateur ou mon adoratrice. Et je suis en sa compagnie lorsqu'il me mentionne. S'il me mentionne à part soi-même, je le mentionnerai à part moi-même. S'il me mentionne dans une assemblée, je le mentionnerai dans une assemblée meilleure. S'il se rapproche de moi d'un nompon, je me rapproche de lui d'une coudée. S'il se rapproche de moi d'une coudée, je me rapproche de lui de toute l'envergure de demain. S'il vient à moi en marchant, je viendrai à lui en toute hâte. C'est Jallallah, gloire à Dieu. Vous faites un seul pas envers Dieu et l'on fait davantage. Alors essayons de marquer ce voyage spirituel, ce voyage du cœur par de la présence d'Allah subhanahu wa ta'ala, de se souvenir intensément d'Allah Azza wa Jal, afin qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous inscrit parmi ceux et celles qui le mentionnent et qu'Allah subhanahu wa ta'ala les mentionne énormément. Ad-dhakirina Allah katiran wa ad-dhakirat. Wassalamu alaikum wa rahmatullah.